El síndrome de las palabras, un experimento inofensivo radiofónico para volver a ser menos esclavos y más sanos que los psicópatas que nos gobiernan y los que nos medican, aunque todo ya da igual, el mundo ya se fue el recontra carajo. Síndrome de la parola, un experimento innocuo, experimento radiofonico per diventare meno schiavi e più sano degli psicopatici che ci governano e di quelli che ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza. Apologia della radio. Bonsoir, monsieur le premier ministre. Bonsoir. Le rire fut, est et sera le père de toutes les rébellions. Oui, je dis aux jeunes. La fête, c'est la vie, c'est ton visage. Ta vie, elle est importante pour toi, elle est importante pour tes proches, pour tes amis, pour ta famille. Elle est très importante, alors protège-la. La vie, c'est ton visage et l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un, c'est la positive attitude. Le rire, rire, sera le rire de mes rébellions. Notre route est droite, mais la pente est forte. Syndrome des mots, pas de livre et non commercial. L'ennemi public numéro un, c'est la positive attitude. On sait que la vie est difficile, on sait que la vie finit mal. Négative attitude. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Négative attitude. Tout va mal. Négative attitude. Demain sera nécessairement brûlant. Négative attitude. Le syndrome des mots, égalité, fraternité et radio libre. Desde l'Occidente más decadente, transmite el síndrome de las palabras. Pasión por la decadencia y amor por el desencanto.